ce qui s'est passé hier au niveau du Conseil des ministres. Je vais expliquer ce qui s'est passé là pour côté yo écarté Gédéon Jean avec un représentant secteur femme. Donc, bah, l'expliquer pour s'accuser avant d'introduire peut-être l'invité qui sera là avec nous, si vous venez tout à l'heure à essayer de parler de ça. Donc, tout d'abord, au cours de cette semaine, il y a eu plusieurs rencontres programmées avec les cinq secteurs qui étaient by impression que gagnent un problème dans le choix représentant. Il s'agit de secteur femmes, secteur vaudou, secteur de culte réformé, secteur paysan et le secteur des droits de l'homme. Après, il fut organisé plusieurs réunions, samedi, dimanche et lundi. CPTA était réuni mardi. Au cours de réunion, ça, il y a deux conseillers qui étaient absents. Vous voulez pour nous prendre 100 nous pour nous aller, ça m'a dit, il y a deux conseillers absents. Il s'agissait de Fritz Jean et Laurent Saint-Cyr. C'est-à-dire, dans une rencontre qui t'a fait avec cinq secteurs, il y a deux monde qui partent là, deux conseillers qui partent là, c'est Fritz Jean et Laurent Saint-Cyr. Edgar Leblanc, qui était là dans un contenant, il était venu en urgence, il est déplacé et il demandait à l'autre conseiller Telayo de continuer la réunion. La réunion, ça, il était organisée pour être capable d'étudier cas par cas problème chaque secteur gagné. Après étudio, discussion, échange, entente, je ne parle pas de compromis, entente, et bien, vous avez dit, d'accord sur ce principe-là, mais non, monde, j'étais retenu. Peterson Pierre, lui, pour culte réformé, Schneider Adélie et Mambo Gaël pour secteur vaudou, Jacques Seyus Joseph pour secteur paysan et Gédéon Jean pour le secteur des droits humains. Pour le secteur femme, il était dit, il n'y a pas voulu CPTA décider pour eux, quitter eux-mêmes, à échanger entre eux-mêmes pour être capable de partager Yves-Marie-Édouard et Rebecca Guillaume. Entre-temps, CPTA décidé de dire bon, nous faisons le travail pour être capable de sortir, ils ont arrêté avec 8 noms monde que ils ont retenu dans après discussion. N'a arrêté ça, mais non monde qui était supposé la donne. Secteur vaudou, Naïda Adélie, secteur catholique, Patrick Saint-Hilaire, secteur culte réformé, Peterson Pierre-Louis, secteur syndical, Nemor Sanon, secteur université, Florence Mathieu, pour la presse, Jacques Desrosiers, secteur paysan, Jacques Seyus Joseph, et le secteur de droits humains, Gédéon Jean. C'est cette liste que j'avais publiée ou bien diffusée hier en exclusivité parce que c'était une décision a priori arrêtée. Et il s'appelle Actil dans le Conseil des ministères et un arrêté complémentaire qui s'appelle sorti après pour être capable d'ajouter secteur féminin, parce que mesdames, vous avez dit, vous même pour prendre une décision par vous pour continuer. Et cependant, vous écoutez 107.7 FM stéréo, Scoop FM, votre émission en passe. Mon nom est Gary Desproges-Charles.
Je disais donc, cependant, hier matin, à la villa d'accueil, le conseiller, le tout-puissant, l'homme qui fait l'actualité, celui qui se considère comme Jean-Jacques Dessalines le Grand, celui qui possède Haïti, l'espace de 27 750 km² de superficie, l'homme a tout fait, l'homme l'homme idéal, l'homme providentiel, l'homme Jésus, l'homme de Dieu, le conseiller Fritz Jean. On est en train de parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, silence. L'homme de toutes les actions, l'homme divin, l'homme seigneur, le conseiller Fritz Alphonse Jean, l'homme de la Banque centrale, hein? L'homme de la Banque centrale, l'homme passeport diplomatique, l'homme visa, l'homme de tout, l'homme de rien, qui n'a jamais participé à aucune des réunions organisées pendant semaine ça, réunion relative à choix que vous devez faire pour membre conseil électoral provisoire. Cet homme a décidé que Gédéon Jean pas doué dans liste là. Il fait déclaration ça dans villa d'accueil en présence de l'autre conseiller. Pour lui-même, c'est-à-dire pour le grand Dieu, Fritz Alphonse Jean, le Messie, celui qui peut pardonner, qui a le droit de décider parce qu'il a été élu de 90% de la population comme président dans une élection libre, honnête et démocratique organisée en Haïti. Cet homme a déclaré que c'est que droit, mon nom, il n'est pas doué n'en causer CEP. Ce rapport, je l'ai eu de quatre conseillers. C'est-à-dire, une fois que je viens, conseiller par là, mon tout, qui est là pour me dire si c'est vrai, finalement. L'homme a dit Dieu, etc. C'est eux-mêmes qui réfléchissent constamment. Je suis en train de vous expliquer ce qui s'est passé. C'est-à-dire, m'a raconté aux gens, ouais, grand Dieu tout-puissant, l'homme de la Bible. Si faut remplacer secteur sa droit mounan par le secteur des handicapés. Cependant, attention. Ou pas capable d'oser, parce que c'est tellement tout puissant, hein? c'est le petit bobo du conseil. Monsieur pensait qu'il faut le retirer de droits humains, hein, pour le remplacer par le secteur handicapé. Et décision ça, la contraire à la Constitution et à l'accord du 3 avril. Puisque dans la Constitution, dans son article 289, il précisait que secteur droit mounan, il doit faire partie du secteur qu'il a choisi pour aller dans le conseil électoral. Là. Le chef suprême dit là, pour retirer. Et comme les autres poltrons, les autres membres sont des poltrons et des lâches, mais ils ont également, anti-crasse, raison, par peur, pour pas un nouveau scandale qui frappe le conseil électoral, pour le conseil présidentiel là, négo, ils ont battu bas. C'est du français classique, battre bas. Et ça a passé pour éviter un scandale, parce que
Frédéric Jean, Alphonse Jean, menacé pour bloquer Arrêtéa. Pendant le conseil là, sinon Gédéon Jean figurait dans la liste que a choisi pour aller dans le conseil électoral provisoire. S'agit-il d'un problème personnel entre Frédéric Jean et Gédéon? C'est une question. Je ne peux pas répondre à cette question. À noter que le POALDH avait contesté les élections, cependant, il n'a pas dit proposer ou contester, mais il n'a pas dit proposer suite à ce vide constaté. Donc, il a été mis Gédéon sur liste parce qu'il n'a pas été capable de mettre le secteur de l'homme. Qu'il y a face à ce dilemme? Cette situation, d'avait dit, scandaleuse. Comment le conseil présidentiel pourrait procéder pour être capable de décider de ça pour le passer? Est-ce qu'il a retiré cette loi net en violation de la loi des normes et des principes, ou du moins il pourrait organiser une autre élection? Alors, c'est des questions qu'il m'a posées. Mais je dois dire à Fritz Jean, maintenant c'est moi qui dis Fritz. Fritz, mon frère, je ne peux pas dire cher ami, Fritz. Il n'y a pas de provision légale pour changer le secteur des droits humains. Même si vous, au chita, ta chita son Galil, en face, au monde désarmé, ou pas capable de faire ça. Mais pour rappeler tout le monde, c'est pour être capable de dégager ou faire élection. Si tu as une contestation, dégager ne fait pas qu'à retirer le secteur droit monde. Et arrêter à sortir donc avec 7 mounes, il y a 2 mounes qui parlent à donne. Et il y a un arrêté complémentaire qui pourra publier dans l'autre conseil des ministres qui a fait probablement après. Mais ce n'est pas pour semaine ça, parce que semaine ça, sont semaines qui gradonnent les Nations Unies. Parce que l'équipe gouvernementale pourra le déplacer bientôt pour aller aux Nations Unies, a fait ou 6 jours ou 7 jours. En dehors du pays pour aller chercher l'argent, à présenter documents par pays et par de fonds, et garder le blanc à Gary Kony, tu as besoin d'un conseil électoral là dans le meilleur liste pour capable montrer qu'il n'y a pas avancé. Donc il y a eu entente et compromis pour être capable d'arriver là. Je devais continuer pour me donner des détails, quelques détails près. Vous écoutez 107.7 FM stéréo et au Branchesco, vous attendez l'émission Impasse animée par Darius, Jean-François, Davidson, Emmanuel, Mélissa, Manuel Yves et au micro ce matin, Gary Pierre-Paul Charles. Donc, vous devez dire, nous, pendant la réunion que tu as faite, il y a des éléments essentiels qui sortent sous le mode opératoire de changement qu'a effectué dans le niveau conseil électoral provisoire qui peut organiser l'élection. Nous, pendant la réunion que tu as faite, avec le secteur vaudois, il y a 3 clés qui définissent. 3 clés paraître. Dans un premier temps, le royaume vaudou d'Haïti qui signé pour nous tourner, c'est juste. À côté de 3 autres soutus dans vaudois qui c'est KNVA, Zentraï et Ajav. Dans le second temps, le royaume vaudou d'Haïti lui retire dans le processus là. Tout le monde saisit. On dit, oh, ça passe. Parce que c'est le royaume vaudou même qui t'a choisi, nous tous. D'après KNV à Zentraï et à Ajab,
ce serait sous la manipulation du conseiller Fridjian que revirement ça fait. Scoop. Ou elle me dit, d'après KNVA, j'entraille à Ayav. Scoop. C'est-à-dire, c'est pas moins deal, c'est yok deal. C'est-à-dire, ma partie, attention, Fridjian, sous sa cap dit. Non, second temps, royaume vaudou d'Haïti, le retirer, donc tout le monde connaît que le retiré, il dit, c'est Fridjian qui fait manipulation. Il dit toujours, ça veut dire, KNB, à Zantra, à Jam, dit, Fridjian t'a semblé utiliser ministre que le mettait dans l'éducation à culture, ministre ça, t'a manipulé un grand qui gagne qui que tout le monde connaît, yo baille un grand ça en pile comme pour la faire cérémonie bois caïman. Si comme yo baille monsieur Cob là, yo mandé monsieur désolidariser avec Newton. Scoop. Et c'est ça que fait Kounia. Ou avodou am d'Haïti, et ou avodou d'Haïti vin proposer la Messi, mambo la Messi, nan place nou ton. Ça veut dire, nou ton sorti parce que, selon organisation vodou yo, c'est Fridjian qui mette le dehors tout. Maintenant, vin bien deux camps. Des camps la Messi avec Wayon Vodou, et puis au deuxième camp, qui est KNVA, Zantral, Ajab avec Newton. Rapidement et subitement, quand on coupe des éclats, où tu as dit c'est tambour, sortant, où tu as battu dans la cour, Bois-Caïman, et puis côté là, ça a fait interpellation contre les ennemis de la nation, côté dans Bada sortant. Hein. Et puis cérémonie a fait côté. Esprit ancêtre, tu apprends nous, quand on coupe des éclairs, un troisième camp qui paraît. En tant qu'ANVA, il y a donc une dissension pour l'autre temps. Il s'agit de Prosper Louis d'Or, de Carole Desmond et Carole Desmismet. Ils ont eux-mêmes choisi Mambo Schneider Adeli. Étant donné dans le camp de Royaume Vaudou, il déclarait que nous, depuis l'année dernière sous Ariel, il te dit KNVA à Jav, à Zantraï, te recevoir comme de gouvernement Ariel là pour être capable de kembe nous ton dans CEPA. Ça un ex-CPT qui constate ça. Le fait, du côté de la Messi, bon question l'argent qui baille. Du côté de Newton, il a présumé, il a soupçon que Grégon Cob qui débaille sous Ariel, c'est pété à nos réflexions profondes que le fait, suis-moi bien, que nos réflexions profondes que le fait, parce qu'il a parlé de Fritz d'abord, et puis il a parlé de Ariel. Il a dit, bon, comme il y a l'agent qui t'a semblé de l'autre côté, c'est pété a dit, m'a choisi. Moun qui plus ou moins gagne confiance là. Et puis c'est le ça, yo vin choisi Schneider Adeli. Mais Schneider Adeli a pas répondre à thème de référence là parce que il n'est pas une compétence nécessaire pour faire partie de conseil électoral provisoire. Ou bien il pas gagne diplôme connexion, ou bien il pas gagne expérience ça. Mais bon logique constitutionnelle qui m'a défaut à un quota, il rejoint quota, ça, c'est ça que fait, il mettait Schneider. Mes amis, maintenant qui ça nous tombe, maintenant qui problème nous tombe. Donc, ça c'est pour le cas de Vodoua. Bon petit cas tout petit que je vais évoquer, c'est le cas de Jacques-Séus Joseph. Tout le monde te connaît, hein, qui était représenté le secteur paysan et puis qui te participait déjà dans CEP, etc. Bakwege Gouba pour dire cependant, Jacques-Séus Joseph lui émanait de Renapa. Cette organisation liée à Vertilaire et Jacques-Séus Joseph était chef cabinet Vertilaire, donc c'est le bras droit de Moïse Assal
qui peut aller dans le CEPA. Évidemment, il faut dire avec objectivité, avant l'IA le présenter pour candidature dans le secteur paysan, il était prend soin comme homme de loi, il démissionnait. Il démissionnait de ça. Maintenant, il choisit. Mais Mbaka dit son mauvais choix. Que lui, il devait nous détailler ça parce qu'il était démissionné. Maintenant, d'après sa conseiller, il dit, d'après point de conseiller, il dit, tout ce qui se passe au niveau du conseil présidentiel, il est manipulé. Et si Fritz Jean pas remplacé Smith Augustin le 7 octobre, tout ça me dédie Dieu, grand maître, etc., monsieur a mouru. Parce que l'ambition personnelle que vient, c'est pour le remplacer. Et monsieur, parce que pas oublier, il n'est pas dans la liste pour le président. Et comme Négo a impliqué dans le scandale, Fridjian glissé rapidement et Fridjian a besoin de remplacer. À tort ou à raison, il faut dire ça, à tort ou à raison. Cependant, malgré toute manipulation que Fridjian a fait, je n'ai pas qu'à dire que l'autre Négo est plus bon passé Fridjian. Attention. Cependant, je vois Fridjian l'a manipulé, l'a conseillé de bagarre, l'a mis tout le monde dehors, etc. Mais en même temps, ces trois nègres, ça a signé pour le secteur paysan, secteur de Wamoun, secteur vaudou, secteur protestant, secteur église catholique, secteur presse, secteur universitaire, secteur syndical, secteur femme. Oh, trois nègres ont signé, ils ont acté, ils ont arrêté, donc ils reconnaissent les nègres comme des conseillers qui doit jouer tout droit et tout privilège en attendant le dossier de l'ULCC. Donc, le 7, à moins que le blanc tranche, Smith Augustin pour être président. Mais si c'est ça qui le fait, Fritz n'est pas d'accord que Nexa est au vice-président. Donc, il va y avoir un prochain scandale dans les prochaines semaines, au sein du CPT. Donc, c'était ça, on t'a dit matin tranquillement pour auditeurs, pour auditrices et téléspectateurs, moi, pas qu'on est pour le moment. Est-ce que